Caroline, ça s'il vous plaît. On le sent. Mais également, parmi les premières parties, il y a quelqu'un qui va vous faire vibrer. Je sais de quoi je parle. Sans plus tarder, recevons Pharaon. Pharaon, sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci d'applaudir l'artiste Pharaon, s'il vous plaît. Pharaon, c'est bon. Au deuxième. C'est bon? Voilà. Mesdames et messieurs, n'oublions pas la grande soirée Bling Bling Money. Ça va se passer dans le mois de juillet. DJ Arafat a pour habitude de dire, t'as pas l'argent, tu restes chez toi. Parce que ce jour-là, la bouteille de Magnum va être vendue aux enchères à partir de 3 millions. Voilà. Ça sera au mois de juillet. Voilà. Donc, bling bling money. Après, bien vous.
Voilà. Tiens, dis donc, tu aimes ça. Parce que tu seras là. Tu auras un salon. Tu aimes ça. Tu veux les valier. Ok. Le temps qu'on règle le problème de Pharaon, merci d'applaudir Pharaon. Mesdames et messieurs, le prochain artiste, je pense que c'est vous-même qui allez dire son nom quand je vais vous donner, ou du moins phénomène, la chanson qu'il a révélée. Quand je dis Opona Bobo, tout le monde Opona Bobo. On va se faire
Ça a jamais liberté. Et jamais, à jamais, vous répondez liberté. À jamais. Liberté. À jamais. Liberté. À jamais. Liberté. Avant les bons, ça vient ça. Avant les bons. Rien à voir. Parce que chaque personne qui est à la maison discute toujours.
Ouais, rien de fort que moi, le fort carrière. À la fois des fort que temps des fort que temps. Et j'ai décidé de créer cette soirée-là chaque dernier dimanche du mois. C'est-à-dire qu'on va finir la soirée de ce soir. C'est dans un mois encore qu'on va organiser un clash entre deux artistes. Interdit d'insulter mes cons. Interdit d'insulter son adversaire. Tu déstabilises ton adversaire dans tes punchlines. Pas d'atalakou. Il n'y a pas d'atalakou, c'est la loi. J'ai choisi des instrumentaux que moi-même je préfère vous proposer. Parce qu'un artiste doit chanter sur tous les beats. Pas d'atalakou. Quand tu chantes, on veut comprendre ce que tu dis. Donc on a besoin de chanter en français. Cette loi est valable pour Ariel comme Moscou. Le gagnant aura son bâton de champagne et son enveloppe de 100 000 francs comme prévu. Pas d'atalakou. On veut un paiement en français. On veut un paiement où tout le monde peut entendre ce que tu dis. Chacun aura une minute pour Jafoul. C'est toi différents styles de musique. C'est-à-dire ici, Ariel a commencé sur un style de musique. L'autre aussi doit terminer sur ce même style de musique. Le gagnant aura ce que vous savez et vous n'aurez plus à discuter chez vous à la maison. J'espère que mon ami Sergina viendra un jour, lorsque ce sera le jour du jour. Et j'espère que mon repère de bébé Philippe sera présent aussi lorsque je vais l'inviter. Parce que c'est les deux lâches du coupé décalé. Serge Benoît et bébé Philippe, ce sont des lâches. Devant les caméras, ils ont la queue. Mais lorsqu'il s'agit de se faire plaisir devant vous les femmes, ils deviennent automatiquement des femelles. Je n'ai pas affaire au présentateur. Donc, mesdames et messieurs, je vais appeler maintenant et sous vos ovations temporaires, DJ Moisco et Ariel Chenet sont demandés sur la piste. Maintenant, applaudissez pour les artistes. Oh, Chenet. Oh. DJ Moisco est demandé. D'urgence. Il est l'heure du clash. Et quand il est l'heure du clash, on met les deux adversaires. C'est comme si on était de faire du Kung Fu. Chacun va se saluer. Bonsoir mon ami, il s'en va. Et maintenant, chacun va se laisser. DJ Moscou, tu es demandé. Appelez-vous pour les quatre fois bombardés, DJ Moscou. Tout d'abord, merci d'être venu. Merci à Ahmed Chéné. Merci à DJ Moscou. Je vous dis clairement, hein, les classes qui vont se passer ici, ce sont mes créations. Et ces deux personnes-là, apparemment, ils ont un problème. L'autre dit qu'il est fort que l'autre. Et nous, on veut voir qui est fort que qui. Si vous êtes d'accord, applaudissez très fort que vous. Moscou. Arrête de laisser, je vais aller sur mon table. Si tu commences, tu commences. Quand tu finis, après, Ariel prend ton même beat et il fait pour lui aussi. C'est la foule, je vous dis, c'est vous qui êtes le juge. C'est vous qui êtes le juge. C'est vous qui allez décider de qui gagne ou qui gagne pas. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, chacun a droit à une minute. J'ai besoin d'un refrain plus un couplet. Un refrain plus un couplet. Terminé. Oui, vous allez vous saluer. T'inquiète pas, on ne va pas arriver là. Ok. Mesdames et messieurs, appréciez nos deux artistes ivoiriens du coupé décalé. Qui sera le meilleur, moi je ne sais pas.
Veuillez vous saluer, s'il vous plaît. Moscou et Ariel Chenet, pour le plaisir de toute la clientèle, saluez-vous dans la main, sans prendre le micro. Salut ton ami, ton frère et ton collègue. Applaudissements pour vous. Ok. Bon, j'ai une pièce de 500. J'ai une pièce de 500 francs CFA. Vous, la foule, vous choisissez une seule face. Et moi, je choisis le face. Donc, vous, vous prenez pile ou face? Bon, pile, c'est où il y a 500. Maintenant, face, c'est où il n'y a pas le chiffre. Ok? Donc, vous, vous êtes pile et moi, je suis face. C'est bon? Est-ce que c'est bon? On va compter jusqu'à 3, je vais lancer la pièce. Où la pièce va tomber, ce sera l'artiste qui devra commencer. Donc moi je dis, Ariel Chenet c'est face. Et DJ Moisco, c'est pile. C'est bon? On compte jusqu'à 3, ensemble. Et on commence. 1, 2, et 3. C'est Ariel Chenet qui commence. Mesdames et messieurs, je vous laisse votre spectacle. Ariel Chenet, 1 minute, 1 refrain, 1 couplet. En français. En français. Pas la taracou. C'est la loi. Tu dois saluer quand tu seras ton tour de saluer. Pour l'instant, c'est Ariel qui commence, qui finit ce qu'il a à faire pendant 1 minute. Après, si tu veux, pendant 1 minute, tu salues, tu chantes, c'est toi qui vois. Mais tout ce que tu vas faire va compter dans 10 minutes. Donc fais attention entre la salutation et ton gérer. Merci, mesdames et messieurs, c'était DJ N'importe qui, en Côte d'Ivoire. On va mettre ça pour aussi vous danser pas aussi. Donc c'est comme ça, ça va bien. Merci. Merci. Je tiens à rappeler, je sais que ma minute compte, il n'y a pas de souci. Je tiens à rappeler que, pour ceux qui ne pensaient pas que j'allais venir, comme je l'ai dit dans la vidéo, Masco, ce n'est pas un artiste amateur. Voilà, je l'ai dit haut et fort. Et donc, je suis venu ce soir, juste pour respect et juste pour la considération de vous, mes femmes, et des DJ à la fin. Sinon, en temps normal, je suis venu seul, je ne suis pas venu avec mes danseurs. C'est un acte de présence. Et pour votre respect, comme je l'ai dit, je vais faire des petits trucs vite fait. Mais sans vous mentir, ce n'est pas mon clash. Et je ne serai en clash de toute ma carrière avec personne. Quand elle a commencé, je n'ai pas parlé, je n'avais pas parlé. Jusqu'à ce que vous me demandez, vous mes femmes, de parler. Parce que c'est vous qui me faites. Mais c'est pour vous. Quand je vais, je vais la vie.
porte qui est en haut de moi. Quand tous les athées vous êtes tombés, forcément qu'elle t'a choisi. Dans les intérêts de la vue, il t'a mis à la terre. Ta part était satisfait. Je m'appelle le colonel. C'est pas parce que tu vois que tu es dit que tu vas te comparer à moi. Je suis le numéro 1 de ma génération. Tu sais qu'il s'en. Il veut rallier un artiste qu'on appelle Bombardier à produire pour moi. Et puis, avant de me rallier, il a corrigé un peu son enfant. Si son enfant m'a corrigé, là il me rallie. Mais si son enfant ne corrige pas, là il continue jusqu'au bout. La paix c'est pour nous. Ok, mes amis, on y va. Si tu nous as gagné, tu as gagné. Mais si tu nous as pas gagné, on est toujours dans la course. Au nom de rien, l'essentiel c'est zéro qui n'a pas bien face. Où est les gars? Ouais. À côté, pète, pète. Et petit dans ces jours les dangers. J'aurais un trophée, autant de princes à jeter, j'aurais deux trophées, autant de Makuka original, j'aurais trois trophées, autant de Réveillon, j'aurais quatre trophées, autant de Makuka original, j'aurais quatre trophées, autant de Chocoba Chirou, zéro cinq trophées, à côté un trophée, c'est une dangere. J'ai pas de papa de couper des cadets pour m'imposer. Je me suis imposé, je suis seul. J'ai pas de parents. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît, là-bas. C'est bon? Non, mais les gars, faut pas venir intervenir. Faut pas venir intervenir. Il y a pas fait rouge à couper des cadets. Je n'ai pas de parti pris. Écoute-moi bien. Voilà, voilà, regarde. Je n'ai pas de parti pris. Aujourd'hui, personnellement, je m'en fous de rien. Je m'en fous de toi. Je vous laisse dans mon mouvement. Quand j'ai appelé mon fils, il est vieux. Il ne suis pas dans ça. Il m'a dit, tu viendras. Comme les gens discutent chez eux à la maison. Aujourd'hui, on va voir qui est fort et qui n'est pas. C'est tout ce qu'on veut. Quand on dit une minute, c'est une minute. On est africain, c'est vrai. Mais moi, en ce moment, dans ma tête, là, c'est mon jet-plan ou bien. Et quand il dit un truc, c'est que c'est ça. C'est une manière
pour tous les artistes de Côte d'Ivoire de montrer leur talent. Ne t'inquiète pas, pour les prochaines éditions, il y aura même des musiciens, batterie, piano, en live. Ne t'inquiète pas. Ariel Chéné. Pas encore fini. Je vous ai dit, ils vont chanter sur trois beats de différents styles. Après, vous allez dire qui a gagné, qui n'a pas gagné. On n'est pas encore arrivé là-bas. Ariel Chéné, comme ça avec toi on a commencé, là c'est un beat afro trap. Tu as une minute. Quand tu prends le micro, dès que tu commences à parler, ça démarre. Donc évite de trop parler. On met d'abord l'instru. Tu écoutes l'instru, on met pause et tu démarres. Moi, c'est pareil pour toi aussi. Hein? J'ai dit, je veux un refrain et un couplet. Vous et moi, on se comprend, mais la foule ne comprend pas. Comme on est des musiciens, je veux un refrain et un couplet. DJ, mets l'instrumental. Tout le monde va écouter et en fonction de ça, Ariel Chéné sera comme un entré. Le pense que sera comme un entré. Voilà. Merci. Bon, bien.
faut envoyer les billes. Ton enfant, ton enfant que tu as fabriqué. Ton enfant que tu as fabriqué. On se dit devant tout le monde. Moi, tu ne dois pas fabriquer, je me suis fabriqué moi seul. Je suis seul. Ou bien minute,
Maintenant, une minute là. Vous avez vu quoi de normal dans le coupé décalé? C'est des afrobeats. Est-ce que ça fait la promotion du coupé décalé? Dites-moi d'abord. Le DJ qui met le beat là, il ne met pas coupé décalé, il fait promotion des afrobeats. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? On doit faire la promotion du coupé décalé. Oh non, ça c'est le plus important. Petit, tu as chanté, c'est bien, tu as tué, c'est bon. Mais sache que l'homme qui fait parler des coupés décalés, il a des mêmes tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac. Ok, bon, mon combat n'est pas à ton niveau, tu es trop petit à mon niveau. J'ai mangé des biches, j'ai mangé des panthères, des cabris. Maintenant, on envoie un pétard pour manger. Donc, je vais manger quoi? Moi, c'est le lion, je vais manger. C'est la viande de lion, je vais manger. Si tu veux avoir, si tu veux avoir fait le lion, c'est que tu veux avoir fait le lion. Je ne vais pas rentrer dans ça, hein? Wasco, je t'ai déjà dit, je n'ai pas de parti pris. Mais quand tu me dis, je mets des pita flotte là, c'est bon, en fait. Parce que tu es un artiste. Même si on t'a donné une soupe, il faut chanter. Si on t'a donné une soupe, il faut chanter. Wasco, il y a certaines personnes dans le coupé de canaux. Il y a certaines personnes dans le coupé de canaux. Avec ces gens de réflexion, on ne pourra jamais avancer. Tu dis que je ne fais pas la promotion de couper les canets. Ah, si le couper les canets ne paye pas aujourd'hui, moi je cherche l'argent, mon chanteur. Tout ça que tu vois aujourd'hui, c'est l'argent. Aujourd'hui, un enfant cherche son argent. Je suis pris dans la classe en débat. Tu me classes, quand il te voit, il ne tape pas. Voilà, j'ai mon permis de poids d'âme, j'ai mon âme. J'ai des soldats. Je suis le chef. Tu vois un peu. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance et de la vérité. Moi, tu dis, il y a mis un flot là. Moi, j'ai calé, coupé des calés pour toi. C'est-à-dire, j'ai violé ma loi, sinon normalement tu devais chanter sur le beat. Car rien à chanter. Fils, fils, écoute-moi. Pour tous tes fanatiques, laisse-le chanter si c'est qu'il veut. Parce que, voilà ton micro. Prends tes commentaires, quand tu prends le micro, tu voulais couper les canets, tu as coupé les canets. Voilà ta foule. Dis-je. C'est un grand DJ mixeur, tu joues les appareils. Faut jouer pour moi. Faut jouer pour moi comme on va venir chanter. Dis-moi les canets, puis tout le monde. C'est pas couper les canets, c'est pas là. Il n'y a qu'à caler, puis tout le monde. C'est deux minutes pour caler, puis tout le monde. C'est un grand DJ, il prend la plus grande voix d'Abidjan et il mixe. Donc pour caler, puis tout le monde, c'est rien. Où est le gars? Il va faire les bits de Roumba. Oui, majesté, pardon, pardon. On n'a pas appelé ici, pardon. Tu n'as rien à voir à ça. Je suis jeune, ils sont beaucoup. Respectez ma sénitude. Où me regarde? Je suis seul, mais je m'en serai. Ils sont venus en coin. L'enfant commence à faire les prunes. Papa vient à commencer à prier son enfant pour monter. Eh! Je suis jeune. La présence de beaucoup de Wazamaka, Abunida de Genève, je vous dis. Apprenez pour Abunida, s'il vous plaît, apprenez pour Abunida, s'il vous plaît. Dis-moi ce mot. Ouais. Dis-moi ce mot. Ouais. Tu as demandé, tu as dit, il n'y a pas trop de drap. Il y a laissé. J'avais coupé les canets, il n'y a pas de monde d'artiste. Ouais, mon Dieu. J'avais coupé les canets, tu dis non. Ouais.
tu dis rumba, combien rumba combien ne suis venu pas à Paris. Faut jouer rumba. Aujourd'hui, c'est le jour de la vérité. Faut jouer rumba. C'est rumba, tu veux. Oui, mon vieux. Faut parler plus de rumba bien, 2 minutes, faut pas trop durer. Tiens, on a droit, 1 minute. La pellicule qui a jailli peut sauter dans l'eau pour s'en jaillir.
Celui qui est trop bandé, qui veut un baisement, c'est même pas compliqué. Il prend les escaliers, il se met au pépin et il vient descendre dans le show. C'est un show qui va se passer de minuit à midi. DJ Moscow, tu n'as pas le droit de partir. Parce que si tu pars, c'est que tu as pris défaite. Maintenant, tu dois revenir pour qu'on puisse terminer le spectacle en bonté. Apparemment, il est allé pisser. Je ne peux pas attendre le pipi de ton artiste, monsieur le manager. Dames et messieurs, Ariel Chené, colonel Lambeaufouet, j'ai demandé à petit Jalini, c'est moi. Mais tu n'as même pas chanté les derniers là. Regarde dans mes dossiers, dans la playlist. Tu vas voir prestation. Tu vas voir Ariel Chené, je suis un 10. Si c'est Ariel Chené qui gagne, le gagnant doit nous faire une dernière prestation avant de partir. Si DJ Moscow a gagné, il va nous faire une dernière prestation avant de partir. Donc, on va attendre que Moscow arrive. Et vous, dames et messieurs, vous allez dire qui a gagné ou qui n'a pas gagné. Didi David. Frérot. Et sachez qu'il y a la soirée Public Money, c'est Angers. Dimanche, je pars. Nous ne serons pas fixes. Venez, on va vous dire où on sera dans une résidence de 22h à midi. Pourquoi vous allez réfléchir? Il y aura tout. Popline, joli beau, joli garçon, sécurité garantie. J'avoue 20 gros bras. Il n'y a pas police, il n'y a pas gendarme. Dans sa ligne, celui qui est mes os. C'est mes os. Mais si il fait la bagarre, si il violente une fille, s'il n'y avait pas de baiser qui n'a violence. Bon, Gontoni direct. Parce que les gros bras ne vont pas s'amuser. Ils vont vous poter. Ils vont poter ceux qui ont se joué. Les derniers. Elle ne veut pas te baiser, tu laisses. Pas de violation tototistique. Un bon garçon ne viole pas. Il manage. On l'a, tu te mets au pépère. Tu as Jerry, tu payes. Si elle ne veut pas Jerry, elle est folle et toi, tu manages. Il y a hôtel, il y a piscine. Et les filles, ne soyez pas indisposées. Sinon, la piscine va me fatiguer une facture de sang. On n'en est pas les vampires. Donc, toutes les filles qui seront indisposées ce jour ne sautez pas dans la piscine. Maintenant, les filles qui ont les vrais culs, qui n'ont pas les végétaux sur leur cul, vous pouvez sauter dans la piscine pour nager. Tant qu'on est bandé, il y en aura jeté pratique à police et résultat. Donc, c'est une histoire de dimanche de Pâques au lieu où ça sera mieux que baptisé. Merci. Il est où cet artiste-là? Donc, messieurs, on ne va pas attendre. Je vais compter jusqu'à 10. Ah, il est revenu quand même, c'est un guerrier. Applaudissez pour DJ Moscow. Allez, Julien, tu viens de Tu sais, vous savez, c'est pas bien la bagarre. Papa m'a pris sa défense, il prend ma défense de quelqu'un. J'ai dit, c'est pas bien la bagarre. Mais papa doit laisser sur la platine, mais il vient prendre le micro pour voir. Parce que c'est ma soirée. C'est ta soirée, c'est vrai, mais devant tout le monde, on sait que c'est le regard face à Yébelé. Non, c'est pas un Yorogan. C'est Ariel, lui, c'est vrai, toi. Moi, Benjamin, tu es devant ton enfant parce que si tu m'as mis en concurrence à lui, tu m'as jamais lancé. Je vais suis lancé tout le seul. Et je suis resté pour pas le seul. Et puis tu m'as mis en concurrence à lui. J'ai un truc très clair à signifier.
Quand mon papa m'a appelé, il m'a dit, fils, ta prestation depuis que j'ai commencé le dimanche a été la meilleure. Si c'est faux, abolissez pas, mais si c'est vrai, abolissez. Donc, j'ai mesuré encore de toi, mais je vais te mettre avec Moisson. Moisson, déjà l'enfant, tu t'aimes trop. Tu ne sais pas, mais l'intérêt est bien dit. Abolissez vous ce que déjà l'enfant, quand tu le fais, pour que je ne sais pas. Voilà. C'est une japonaise aussi. Non. Tu sais, écoute, quand ici là, il y a des comportements à ne pas avoir. Tu as parlé, il a parlé. C'est fini ou pas? Dames et messieurs, sous mon respect, sous votre respect autant pour moi. Il a gagné. On va juste soulever la main. Non, on va soulever la main pour le gagnant. Hein? Est-ce que c'est DJ Moisson? Soulevez la main. Est-ce que c'est DJ Moisson? Soulevez la main. Avec plus de 2 millions d'abonnés, seul artiste. Vous pouvez décaler à atteindre 2 millions de personnes, c'est Christophe. Alors, ceux qui sont d'accord avec le gagnant, c'est ça, vous levez vos mains. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne levez pas vos mains. Est-ce que c'est DJ Moisson qui gagne? Levez les mains tout le monde. Ok. Est-ce que c'est un gâchis? DJ Moisson, avec tout le respect qui est de toi, tu as pris une défaite. Parler de Zik, qu'est-ce qu'on sait, moi je suis un disque, ouais. J'ai tout anticipé et je l'ai
vraiment la place de la bataille, c'est moi la place, appelle moi car ta mère, je suis pas ton père, mais je suis ton grand-père, car de la que je te plais, je n'ai pas envie à personne, mon ami, c'est Michael Jackson, c'est sûr, ce qui est de ouf, que je n'ai pas à tout en tout, ça n'est pas des rivalités, j'y vais dire à peu que t'as fait, mon ami. Le dimanche de Pâques, nous allons vous dire où on sera. Et soyez tous présents. Le son est lancé jusqu'à 6h du matin. Quand tu veux, tu dis au reste.